mise en place ici du côté de Villefranche. Oula, attention, le mauvais contrôle. Et ça va profiter à El Koumisti. El Koumisti qui va se présenter devant Boué. El Koumisti qui se fait pas prier pour l'ouverture du score. El Koumisti, suite à cette erreur. Avec un buteur comme El Koumisti, la meilleure attaque du championnat. Ça fait très très mal dès le début de rencontre, au bout de 7 minutes. Il a su profiter de l'erreur adverse. Sergio, c'est parti, cette fois il est un peu plus éloigné, c'est vers le point de pénalty, c'est repris par une tête, mais pas cadré. 40e but là, ce soir, hein, c'est la meilleure attaque. Et voilà, avoir autant de joueurs qui peuvent marquer des buts, c'est vraiment un danger pour l'adversaire. Oh, attention, bas dans la surface de réparation, bas face à Patier, il a perdu son duel Idriss Abba. Et la balle pour... les Concarnois aux avant-postes avec Antoine Rabillard qui laisse filer pour Hurier. Hurier, le centre à venir. Non, il cherche une solution. Il a trouvé Rabillard. Rabillard, le centre cette fois-ci au premier poteau. Il était absolument tout seul. Et mi-temps sifflé ici sur ce score d'un but à zéro face à Concarneau. Georgène toujours. Georgène qui passe à Amine Boutra. Amine Boutra qui va servir El Koumisti. El Koumisti sur Jean-Christophe Boué. Il y a peut-être une situation là, on va peut-être prendre le centre. Maxime Blanc la frappe par à terre dans les gants. Et c'est joué rapidement, on essaie de mettre du rythme. Même si là on est dépossédé du ballon. Et ça peut être très dangereux pour les Concarnois. Il est parti, c'est qui? Il est parti à l'entrée de la surface de réparation. Il va défier Jean-Christophe Boué. Ouh là là, la récupération, Antoine Rabillard. Antoine Rabillard, ouais. Et là il va y avoir du champ. Attention à 4 Rabillard. Rabillard, à qui va-t-il la donner? Il a choisi Axel Uri. Axel Uri, et il fallait le retour magnifique de Kevin Renaud. Le centre, deuxième poteau, la tête. Oh, ça passe juste à côté, au-dessus. En tout cas, c'est pas cadré. Mais qu'est-ce qu'elle était belle cette occasion. C'est parti. Sergio, Kevin Renaud, comment il s'est retrouvé tout seul, et c'est Dada! Égalisation du FC Villefranche, Beaujolais sur ce coup de pied arrêté. C'est Kevin Renaud qui est félicité, je ne sais pas si c'est lui, c'est Timothée Toffoli ben, qui a mis ce ballon dedans. On laisse la possession au Caladois avec Kevin Renaud. Kevin Renaud, et c'est terminé, terminé sur ce score de 1 but partout ici à Villefranche entre le FC Villefranche Beaujolais et l'US Concarneau.